d'éviter la nécessaire redynamisation des instruments du Liban. Cela implique une renaissance de l'idée même du Maghreb dans sa conception idéologique et philosophique. Le Maghreb de demain sera démocratique ou ne sera pas. Le Maghreb de demain devra fonder sur le nouveau mode de gouvernance, sur le respect des libertés individuelles, des droits de l'homme, ainsi que sur une véritable représentation politique. C'est pourquoi aujourd'hui, au-delà, j'ai plusieurs mots, des réticences politiques de certains, nous devons ensemble, Marocains, Maghrébins convaincus et Européens aussi, œuvrer à la promotion du nouveau mode opératoire à travers le soutien à la société civile, etc. Parce que le Maghreb, en fin de compte, est le garant de notre prospérité, de notre stabilité et de notre sécurité partage. Ce matin, on a parlé de ce concept de sécurité partage. Alors, ce potentiel futur, nous devons aujourd'hui le préparer ensemble, en préparant les fondements, et nos amis européens doivent nous accompagner dans ce véritable, ou dans le cadre d'un véritable partenariat, un partenariat uni, solidaire. Alors, il s'agit aujourd'hui, ce matin je parlais d'aborder la question du Sahara marocain, il s'agira de libérer les synergies qui nous permettront de construire un espace cohérent, intégré et apaisé, fondé sur des valeurs partagées. Alors, je voudrais conclure en disant que si l'UMA peut sembler être à certains égards une réalité incertaine, la dynamique de démocratisation engagée au Maroc peut contribuer à sa mesure à faire évoluer l'idée que nous faisons du Maghreb intégré. Le processus de réforme irréversible engagé au Maroc sous la pression de Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis plusieurs années a montré la voie. Sa Majesté a tracé le cap à travers la mise en œuvre d'un modèle démocratique original, authentique et respectueux des caractéristiques intrinsèques au pays. Tout à l'heure, encore une fois, je m'excuse, ça a été besoin de critiquer le gouvernement dont je fais partie. C'est vrai, passant par des moments difficiles, mais ce modèle démocratique novateur, parachevé par, j'ai vu, c'est Hidel qui est là, heureusement, je suis solidaire, parachevé par l'adoption par référendum de la dernière constitution, repose sur un socle de valeur universelle. C'est un processus qui est irréversible parce qu'il consacre les libertés individuelles, les droits de l'homme, le respect du droit des différences, le respect du droit des différences, les sensibilités culturelles, afin qu'ils puissent s'exprimer de manière libre dans ce pays qu'on veut vivre. Et bien, ce projet moderniste est basé sur l'essence même du référentiel identitaire marocain, sur son patrimoine historique, culturel, civilisationnel, sur des concepts fondamentaux que sont l'ouverture, la tolérance et le respect des différences. Et dans ce cadre-là, la région est avancée, Sa Majesté en parlant dans son dernier discours, permettra de parachever le modèle démocratique marocain, à travers la mise en œuvre de mécanismes assurant une meilleure représentation des citoyens. Alors, au-delà de ce référentiel linguistique, spirituel et culturel en commun, les Maghrébins, que je termine par le Maghreb, partagent aujourd'hui les mêmes ambitions, mais ils partagent également les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations et les mêmes défis à relever. Donc, il faut aujourd'hui que les Maghrébins soient entendus et que leur aspiration partagée à œuvrer à l'émergence d'un Maghreb uni et prospère cesse d'être contrariée par des considérations politiques d'un autre temps et hermétique aux évolutions de notre monde. C'est ce que je retiens de ce débat ce matin. J'avais dit